nom d'un œuf à la coque, ça va être une sacrée partie de pêche. Sûr et certain. Je sens que je vais m'attraper une carpe grosse comme un camion et gagner le concours de pêche de ce week-end. Non, je ne remordrai pas à l'hameçon. Cette engeance n'est qu'un piège à soucis. J'ai rayé le poulet de mon menu. Je me suis mis au poisson. C'est bon pour la mémoire. C'est répugnant. Ne disais pas ça pour toi. Mon ancien régime alimentaire n'était pas si mal tout compte fait. Je vais m'attraper un bon petit poulet et m'en mettre plein l'estomac. Oh, je plomberai plus léger la prochaine fois. Ces verres-là sont pas bons. Je vais essayer mes verres à truite en caoutchouc. Ça a mordu? Pas encore. La chance va tourner. Ça ne t'ennuie pas que je casse la croûte à côté de toi? Je t'en prie, fais comme chez toi. Non, oh ça alors. Non mais regarde-moi ça. J'ai pensé à tout, sauf au casse-croûte. Pas possible que je peux être distrait. Je me flanquerai des gifles. Tiens, j'espère que tu n'es pas. Collègue, tu aurais pas un petit quelque chose à grignoter pour un étourdi comme moi? Oh, bien sûr. Excellent! Franchement, tu ne me mangerais quand même pas avec ma couche. Pour te dire, c'était l'idée de départ. Mais c'est anti-hygiénique! Bon, ça va. Alors, qu'est-ce que t'attends pour l'enlever? Oh non, pas quand quelqu'un me regarde. Quoi? Espèce de... Hé, collègue, tu peux y aller! J'ai failli attendre! Youhou! Alors, comment t'as aimé ton repas? Pas piqué des verres, hein? Quand ce petit poussin va me remonter, il va avoir la surprise de sa vie. Oh, une touche. Il est superbe. Ça va faire drôlement bien au-dessus de ma cheminée. Cette fois, il me m'échappera. Ça va en mettre plein la lampe dans quelques secondes. Je te tiens, mon bonhomme. Excusez-moi. Erreur d'adresse. Bonjour, monsieur le garde forestier. Je peux voir votre permis de pêche, jeune homme? Avec grand plaisir. Vous êtes en état d'arrestation. Les deux mains sur le mur.
Mon déjeuner est servi. Plat du jour. Poulet à l'estragon. Le jour commence à tomber. Parfait pour pêcher à la traîne. Attention au grand rocher! Quel rocher? Celui juste devant la bouée! Quelle bouée! Celle qui est au-dessous de la branche! Qu'est-ce qui pourrait faire croire que je pose la question pour rien? Merci à tous. Je suis heureux et fier d'avoir gagné la coupe. Quelle mortification! Bonsoir, Mouch. Bonne nuit, petit.